Salut tout le monde, c'est Lucas de l'équipe Whisper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit récap de l'actu sportive de la semaine. À seulement 13 ans, la japonaise Momiji Nishiya est devenue la première championne olympique de l'histoire du skateboard dans la catégorie street féminin. Le Slovène Luka Doncic a réussi pour son premier match des JO à marquer 48 points. La dernière fois qu'un joueur a marqué plus de 40 points aux JO, c'était en 1988. Flora Duffy a été sacrée championne olympique au triathlon. À 33 ans, elle vient de remporter la première médaille olympique de l'histoire des Bermudes, son pays d'origine. La vidéo qui a fait le buzz est celle de la judokate Martina Trajdos en train de se faire gifler avant son combat par son entraîneur. Elle affirme que c'est un rituel qu'elle a choisi. Après 10 années et 18 trophées remportés avec le Real de Madrid, Raphaël Varane a dû dire au revoir à ses coéquipiers. Le défenseur français va continuer sa carrière à Manchester United. Coup de tonnerre en NBA, Russell Westbrook quitte les Wizards pour aller jouer avec LeBron James et Anthony Davis aux Lakers. Le meneur peut être un atout pour aller chercher le titre la saison prochaine. Et voilà, c'est déjà la fin. N'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune actu.